Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire avec les Skaven. Au dernier épisode, normalement, on était sur notre attaque souterraine massive de chaque ville ici. Et vous voyez, ça s'est plus ou moins bien passé. Ça m'a permis de prendre Moussillon, ça m'a permis de prendre Lyonnais, Anguille, de m'attaquer à Marienbourg, de prendre Grunk, d'assiéger le poste de la pierre noire. Puis voilà, simplement. Et là, on va continuer, on va aller chercher plus ou moins les villes un peu partout avec les armées. On est capable d'encaisser 2 tours avec ces armées, seulement 2 tours. Donc, faut pas en abuser. Oh, et puis on peut créer par contre. Enfin, ça, je pense que... On a au moins... Alors, si j'avais 30 000 de plus, j'aurais 3 tours, mais j'aurais dépensé quoi qu'il arrive. Voilà, donc cette armée-là, évidemment, elle va aller aider ici. Donc là, on risque d'attaquer couronne à 3 armées. Ici, il n'y a pas attaque éclair, hein. Faut pas pousser. Il est que niveau 5. Donc l'idée, c'est d'assiéger et de faire chier. Voilà, nous on fait chier. Quel plaisir. Ah, bah désolé. Je me suis dit, il a accepté la bataille. Non, non, il a pas accepté. Il s'est surtout fait casser la gueule. They fetch many war. Move, march. Cette invasion sortie tout droit de nulle part. Regardez. Fight them. Yes, yes. Bon, ici je pense qu'on gagne. Hein. Je me vois pas perdre avec autant de Skaven. Alors si l'armée arrive par là, nous on va se concentrer par ici. Pour le coup, c'est vraiment une invasion. Hein. Là, l'ennemi, je me fous pas de sa gueule. Hein. C'est assez simpliste comme, comme technique, mais en fait ça ressemble énormément au Skaven en soi. Hein. Ça ressemble à rien, j'adore. Les mecs ils sont là en mode mais j'en peux plus. Mais ils sont combien? Ah, au moins 4000, hein. We obey. At once. Maintenant j'aurais ça à affronter, je serais pas prêt. Hein. Stormburning.
Angel's Command. Ouais, on va prendre tous les murs. Il y aura que des échelles partout. On va soutenir avec de la viande. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ah mais il n'y a même plus de place! Il n'y a plus de place sur les murs! C'est... It shall be done! Move! Move! Rick-a-rock! Ah là, je vais faire louer des échelles. Move! Par contre, mon PC, à mon avis, à un moment, il va me faire trop d'unité. Je pense qu'à un moment, il va me faire non. Non, mais stop là. Plaisir dans l'invasion, please. Si on traverse les murs, on fait ça. De part et d'autre, ça ne s'arrête jamais. Ah, tu peux y aller, hein. Tu peux tirer autant que tu veux, hein. Nous, on s'en fout. Ouais, le x3, il marche pas vraiment, hein. C'est plutôt le x lag. Combien ils ont fait de morts, eux? Eh, ils en font tous, hein.
Oh oui, c'est les catapultes, je me suis merde. Ça, c'est normal. Genre... Ah, mais je me suis dit, des hommes d'armes qui abandonnent pas? Non, non. Écuyer qui abandonne pas, pour l'instant. Bah voilà. Ah, tu m'étonnes, y'en a un, il s'est éclaté. 99. Steel, then we go, go! Gather, steal everything! Ça fait mal, mais bon. Nourriture. Ici, c'est bon, on a capturé. Alors, on sait qu'à mon avis... Ah, quoique. Ouais, non, c'est pas la même défense. Quand même. C'est pas la même défense. On va regarder le... l'autorésolution. Ah non, il continue à dire que je me fais exploser. Bon. Ok. C'est pas grave les gars, on arrive. On arrive, on arrive. On va y aller à la 4 armée. En fait, celle qui gagne, finalement, elle se dépêche de rejoindre les autres. Et ça passe, hein. Et là, du coup... Je pense qu'en vrai, on gagne. Je pense qu'en vrai, on gagne. Je vois mal toutes ces vermines de choc se faire poutrer par 6... par 5 maîtres épéistes. Les arquebusiers, je les compte pas. Donc, non. Die for honored rat. Je pense qu'on gagne à la base. C'est... Il voit sûrement les tours en mode godlike, sauf qu'avec le nombre... Alors là, par contre, on va mettre les mêmes enfin, on va mettre les unités au même endroit. Là, on va pas dispatcher le truc. Ah, quoique. Est-ce qu'il y a le plus intéressant de mettre la masse jusqu'à qu'il plie, ou les obliger à partir? On est déjà plus nombreux qu'eux. Il va mettre quoi? 3 épées sur un côté, finalement? Ouais. On va diviser en deux. Alors, leur but à elle, c'est de péter les tours. Hein. Le but à eux, c'est de péter ça. Alors lui, normalement, il a des buffs. Hein. On peut parier. Et on force le passage. Ça va être des batailles longues, un peu chiantes, mais... Squeak, squeak!
Quoique. Autant aller péter les machins. Hein. Je voulais péter les tours, mais on est déjà tellement nombreux à la base que... On va attendre qu'il y ait des groupes un peu qui se forment. Murder kill! Kill! Captains, come on! Slay! Stab! Stab, maim! Ready, ready! Okay. Skaven, yes, yes! Agree, Rick! Quick, quick! Dunbanning! Tailshorn! At master desires! What? Ready, ready! Storm burning! Alors, je sais pas si c'est le fait que je lag. Les ordres viennent un peu à retardement. Attends qu'il termine de monter, mais là par exemple c'est intéressant de l'activer. Bah, sauf si la catapulte vit super bien comme ça. Grey Seer! For the Valentine! Skaven, yes, yes! J'arrive même pas à les sélectionner. J'arrive même pas à sélectionner l'ennemi. Ready! Bon bah. Skaven Blight's command! Bloody wishes! There! Find! Seek! Sneak, sneak, run! Plague monks! Please! C'est qu'elle résiste énormément! C'est un tout petit peu le son, si vous me permettez, puisque moi ça m'assourdit là. Si c'est pas assez fort, dites-moi, sinon je resterai de balancer autre part, mais. What?
Ah mais c'est peut-être parce que j'avais une grosse bête en sélection. Donc du coup ça devait me bloquer ou un truc comme ça. Semblerait cohérent. Voilà par exemple comme là, j'arrive pas à les sélectionner mais maintenant ouais. Mais même eux, ils résistent trop bien. Ils devraient mourir instantanément, là. Eh, ils ont réussi à venir plus vite que les autres, bravo. Bon, le moral, il va vite remonter, à mon avis. Hein. Même pas. Ah ouais, non, mais elle était hyper facile à prendre, au final. Il n'y avait aucune difficulté. Du coup, ce que je veux avec ce jeu, c'est qu'il est limite encore mieux à regarder qu'à jouer. Des fois, 8 sauts, vraiment, ouais. Tu vois, des batailles, des invasions comme ça. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui font des très bons boulots comme ça sur YouTube. Où en fait, ils font une bataille. Ou même, je pense qu'il y a plusieurs batailles en une. Mais ils nous font croire que c'est une. Et ils mettent en avant un peu des moments, des actions pendant les batailles. Et c'est très joli à voir. J'ai clairement pas le niveau de montage, ce genre de choses pour faire ça, mais... S'il y avait quelqu'un qui en faisait, en vrai, je lui dirais, bah, dis-moi des fois les soirs, on fait des prises de vue, parce que sur ce jeu, les batailles comme ça où tu t'ambiances avec des centaines et des centaines d'unités. Je vais pas pouvoir... C'est une grosse ville, ça, hein. On va la garder niveau 3, hein, c'est tout, max. Hein. Dans le doute, on casse. Ok. Donc, pour l'instant, on s'en sort bien. Il reste cette armée-là. Il me reste cette armée-là, mais elle... Elle prendra tous les jours ce qu'elle veut. This is not the will of the lady. Gracie. Warlock, master of scrap. Ah, je crois que j'avais perdu ici. Et normalement, il y avait un truc dans le coin. Voilà, ça. Attack! Overrun him! Là, c'est plus de la rigolade qu'autre chose. Ah ouais, non, mais je pense qu'ils vont se faire dézinguer. T'as beau avoir de l'anti-large, mon gars. J'ai de forcer ça à coup de mal foudre. Mais qui ressemble à rien.
Ils sont en train de se faire dégommer alors que... C'est qui me tire dessus, toi? Allez, let's go, parce que là, on se fait shooter dessus. Voilà. Moi, elle me fait rire, cette armée. Je l'adore. C'est pas un truc qui marche vraiment, mais je l'adore. J'ai juste besoin de tout sélectionner. Et voilà. Tu cliques, tu roules. Alors, l'IA n'est pas du tout préparée à ce genre de bataille à la base. Allez, on va les bloquer. Je prends des petits dégâts, hein, mais vraiment, c'est superflu. Hein. Du moonwalk. Les animations sont dingues. Elles sont vraiment dingues. Et vous voyez, même en leur roulant dessus, ils en redemandent. Hein. Ça, c'est sûrement... Bah les gars, attention, piéton quand même. Ok, vous roulez en bande, mais bon, quand même, faites gaffe. Oula, il y en a du monde là. Et on fait des allers-retours comme ça. Eh,
Vous voulez voir combien j'ai fait de pertes dans mon armée? 0. 0 pertes. Ah mon dieu, toutes mes motos sont en forme et tout. Ils résistent trop maintenant. C'est quoi cette armée? Mon dieu, la Son of Scanarchy. Elle est trop belle. Je vais déposer un brevet dessus. Moi je l'adore. Salut Jean-Neige. La best armée ever. Ah bah... C'est rare d'en trouver des comme ça. Warlock, master of Scryer. Alors. Avec lui du coup. Avec Snitch qui est revenu. Je crois que j'avais fait... Ah mais... Enfin il y a un petit moment remarque. Hein. Attaqué par quoi là-dessus? Voilà, comme ça on n'en parle plus. On essaye de pallier au manque de bouffe là. Non, pas fini j'en ai. C'est juste que j'ai plusieurs campagnes en parallèle à la base. Ah non, c'est bon. Non, non, loin d'être fini. Bah non, c'est pas une nouvelle campagne, il y a 241 points. Donc là, je peux pas tanker 3 tours. Toujours pas. Ok. Celle-ci, c'est bon. Oui, qui est plutôt en forme. Ça, c'est peut-être une bataille que je vais devoir faire. Alors... Est-ce que j'attaque ça plutôt? Oh oui, 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 100%. Ah merde, il peut pas. Avec lui, il peut. On va peut-être enlever cette armée-là. Vu les morts que ça va faire, hein, voilà. Il y a déjà une armée qui va sauter dans notre Blitzkrieg. Voilà, là on a deux armées qui arrivent ici. Ici c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Oh, les points par contre, on va les nexter. Hein. On va les nexter les points. Hein. On va juste essayer de trouver. Là par exemple, ça je vais l'attaquer, je pense. Crac, on est d'accord, t'as l'attaque éclair. Hein. Sait-on jamais si ça marche pas l'embuscade? Lol. Non. En vrai, comme les autres, tu peux avoir que 4 armées très effectives. Là, c'est juste parce que j'ai échafaudé un petit plan de souterrain. C'est pour ça que tu vois autant d'armées chez moi. C'est parce que j'ai déployé des souterrains de guerre à un moment. Et j'ai fait ça de façon synchro pour que toutes les villes bretonniennes soient attaquées par une armée chacune. Et à la fin, bah, ça a tourné pour eux au prank parce que j'ai tout pris d'un coup. Quoi. En l'espace d'un tour, j'ai ravagé déjà plus de la moitié de la Bretonnie. Enfin, de ce qui restait de la Bretonnie, hein, puisque j'avais déjà un petit peu entamé le sud vite fait. Et derrière, avec les armées du coup qui ont survécu sur les batailles, elles rejoignent les autres armées qui ont plus de mal parce qu'il y a une meilleure garnison dans la ville. Et là, bah, il reste plus que Couronne, Marienbourg, enfin ce genre de choses, quoi. Alors, va falloir trouver une position correcte quand même. Hein.
Voilà, ça me semble ok. C'est pour ça que je suis à moins 80 000. Hein. Si t'as regardé mon budget, il est en déroute. Hein. Et c'est normal. C'est un sorcier, je suis capable d'éloigner l'assassin. L'ingénieur. L'assassin. Si ça tire dans la montagne, c'est pas grave. Hein. Ouais, bah j'ai fait exprès, ouais. J'ai... Ah non, 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 les gars, vous restez là, hein, vous faites quoi là? Plus vous pouvez tirer sur le walker là. Je peux même prendre un canon, moi. Sûr. Ah, raté. T'as de la chance. Il va être dur à toucher ce petit con. Pour... Ah oui, je peux zoomer, ouais. Viens, un petit con. Pourquoi les autres vous tirez pas en fait là? Et vous pouvez tous le faire, hein. Je sais pas ce qu'ils attendent. Mais... Merci. Bâtard, je suis vraiment nul, hein. On aurait toujours pu faire ça, Jean-Neige, hein. C'est... Tu cliques juste ici. Là, là. Allez, let's go. Aïe, 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 aïe. Tu vas voir, toi. Ici. Apprends-moi. Quoi? Ils ont des sorts éclairs aussi? Ah oui, ça doit être la magie de ciel ou un truc comme ça. Il est où mon cœur? Il est mort? Je crois.
Tu sais s'il y a une édition complète du jeu qui va sortir? Je sais pas du tout. Mais c'est... Non, pour le coup... Une genre de définitive édition avec la totalité, je sais pas. C'est le Gazrock du coup. Donc on peut pas jouer un soldat, ça me plaît pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fera penser à d'autres jeux quoi. Un d'ailleurs qui devrait sortir en pas longtemps en bêta. Mais c'est vrai que jouer un petit soldat ou jouer un des seigneurs, ça serait assez stylé. Hein. Peut-être trop puissant par contre. Je sais pas. En Hittite. Ah, la référence du coup, vous l'avez. Et ouais. Donc je pense que, bah de toute façon, je risque d'y jouer. Hein. Vous allez me voir y jouer. Je vais sûrement essayer de voir si, enfin, si c'est possible de le présenter, ce genre de choses aussi. Hein, mais il y a de grandes chances que j'y joue. Attendez, je m'y retrouve plus sur la map. Comme ça. Donc finalement, c'est bon. On arrive à l'attaquer. J'ai vraiment la flemme de la faire. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Donc oui, Lou-Hanker est mort à une vitesse... Ma petite découverte sur les Skaven que je connaissais pas, c'est que eux, quand tu les mets sur une cloche, ils font un... Ah non. Attendez, non, eux c'est un debuff, c'est une cloche de debuff, et eux c'est une cloche d'AOE. Elle fait des dégâts constants. Et si je peux vous la trouver... Non... Ça. Vapeur virulente. Donc au final, avoir les deux Skaven... Comment dire, prêtre, peste, tout ça, je sais pas comment les nommer exactement déjà. Ils ont une action différente quand même. Ils ont potentiellement les mêmes sorts, et encore, pas forcément. Et là, par exemple, je peux avoir le rush malfou de les crevasses, tout ça, et là, du coup, je peux aller sur le souffle pestilentien et continuer d'AOE. Enfin, c'est pas la même cloche. Ça, je l'ai appris du coup en faisant cette campagne là. Ah bah là pour le coup oui, hein. Ça je suis d'accord. Et récemment ils avaient mis un truc que je n'arrive plus jamais à récupérer. Attendez, je regarde quand même, on sait jamais. Non, c'est pas celle-là. Je crois que je viens de comprendre un commentaire qu'on m'avait laissé sur YouTube. Quelqu'un m'avait dit... C'est Quick qui l'a, mais il a pas compris. Enfin, il croyait que c'était une armure, l'armure légendaire que je parlais, mais pas du tout. Moi, c'est une autre armure pour le coup. Run, fools, fools. Master Engineer. J'ai assez la flemme de la faire, la bataille, je vous avoue. Donc, je pense que. Voilà. Ah. Ah d'accord. Ça m'a rien tué ici, ça m'a tout défoncé ici. Dommage. Alors si là je paye pas un minimum de bouffe, j'ai un fort dégueulasse. Hop, parfait. Et là pour le coup c'est un fort très puissant quand même, hein. Mais un fort au Skaven, c'est plaisant. Donc là, t'es parti pour recruter de nouveau des bébêtes. Alors que je pense que jamais ça serait mort. Je pense que autre chose serait mort. Si je l'avais fait, je pense que j'aurais réussi à sauvegarder tout. Avec des blessés. Mais là, me tuer mes deux... Les deux abominations, bon... Ok, c'est un peu du sacrifié à la base, ce genre de choses, mais quand même, quoi.
Donc si je voulais attaquer ça, faudrait que j'aille par là. Mais là, j'aurais jamais le temps. Non, écoutez, on va régène. Voilà. Les ponts, on s'en bat les couilles. Parce que là, je vous dis, là, il y a 10 000 points. Là, il y en a réellement 10 000. On s'en fout, ça. Salut, la fouine. Comment tu vas? Oh non, 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 on a dit pas les points, pas les points. Là, il y a 10 000 points à faire. Ah non, ça, ça m'intéresse, ça. Il n'y a qu'à faire des tours pour une fois. Nourriture. Pas de points. Voilà. Ouh, on a réussi. Allez. Par contre, niveau fric, on va raquer, c'est normal. Mais bon, ça fait monter l'argent. J'encaisserai jamais toutes les armées de toute façon. Il y en a beaucoup qui vont sauter sous peu. C'est... C'était déjà autour, au niveau 3 de la ville qu'on pouvait mettre un mur en scaven, ou c'était dès le niveau 2? Ou alors le patch a modifié ça? C'était pas dès le niveau 2 les murs scaven? Je vais tout sauter ici, de toute façon ça va partir. Ouais, j'ai déjà joué à 8 sur la contrôle. Je l'ai même fini pour le coup. Enfin, je l'ai pas fini à 100%. Je l'ai juste fini. Je me souviens plus de ce qu'il y avait dans cette armée, moi. Un Gezel, sûrement. Mais là, dans 5 tours, il est disponible. On va faire un truc de recrutement ici. Voilà. Et du coup, ouais, je l'ai déjà fini. Bah, après, je vais pas en dire pour ceux qui veulent y jouer, mais il était très 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 cool pour le coup. Hein. Il était très original. Surtout le moment... Putain, comment elle s'appelle la musique? Si vous l'avez fait, du coup, ceux qui l'ont pas fait, de toute façon, je vais pas vous spoil, mais... avec une musique qui dit justement contrôle en mode rock, c'était magique, vraiment magique ce moment. On visait l'Empire et Bretonnie depuis le dernier patch. J'ai fait une campagne coop avec un gars, il joue le chaos et ses élus se font tenir tête par des paysans. Y'a pas un délire où les paysans ils ont du perce armure maintenant? J'ai mes gardes de cri qui se font ouvrir par les lanciers basiques de l'Empire. Ouais, non mais... Salut Nogle. Maintenant que j'ai fait un essai de KO, moi, c'est sûr que j'y toucherai pas avant un moment. Hein. C'est quoi ça, Butch? Je crois qu'hier je t'ai vu marquer ça, Kazrak le Born, mais c'est quoi? Bretonnie, non, ça n'a pas toujours brillé. La Bretonnie... Elle n'a pas toujours brillé comme faction sur Total War.
Il y a un patch où ils ont touché aux forges. Je crois que ça date. Leur force, enfin, en IA, leur force date à peu près du moment où ils ont rajouté les forges qui donnaient plus 2 d'armure à la totalité des armées. Pour chaque grande ville, non? Je crois que ça date à peu près de là, hein, leur grande force. Hein. Où faut les craindre un peu, entre guillemets, quand même. Moi, ça m'a jamais été un réel problème, la Bretonnie. Mais je sais que quand ils balancent des armées loin en mode. En mode 10 chevaliers du Graal, si tu les vois goldés, tu sais que tu vas passer un très mauvais moment. C'est l'un de mes personnages. Mais du coup, la Khazra, je vois pas c'est qui là. Donc, enfin, tu sais, je suis pas un grand connaisseur du lore de Warhammer, mais c'est qui exactement du coup? Bon, ça, on le capture. C'est un homme bête, d'accord. Ouais bah je les ai jamais joués donc. Oh non mais à un moment. Bon ça là je suis obligé de la faire. Salut Slab du coup. Ouais. Non pas toutes hein, pas toutes. Hein. En fait, elles ont pas besoin de fric. En fait, non, il faut plutôt inverser le problème. Il y a des factions qui ont pas besoin de fric pour te faire chier. Et il y a d'autres factions, si elles sont trop riches, elles deviennent chiantes quoi qu'il arrive. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas de mur et tout. Mais il me disait que j'avais quand même une chance de perdre. Ok, ok. On va mettre la bande devant. Toujours trop bas, moi. C'est un truc de fou, hein. C'est vrai que je l'ai pas vu, vous. Oh. Celle du bien dans le 2. Pourquoi il ferait briller celle du bien dans le 2? Qu'est-ce que tu veux dire du coup par briller Slap? Non, personne ne sait, j'en ai un pour le. Pour Warhammer 3.
Il n'y aura même pas de nouvelles cette année aux conventions. Normalement. Alors que je n'ai jamais joué. Les factions que j'ai jamais joué. Attends. Tac, tac. Ah. On va accélérer leur mort comme ça. Les factions que j'ai jamais joué. Homme bête. Elfe sylvain, vraiment. Enfin, on va dire vraiment joué. Hein. Tu sais, je me suis déjà essayé comme ça pour le fun des fois, mais. Homme bête, elfe sylvain. Je n'ai jamais joué. Ah, il y a peut-être pas tant que ça. Hein. L'Empire. L'Empire. L'Empire, j'ai jamais joué. Je sais plus après. Après, pourquoi... En fait, Elfe Sylvain, j'adore l'idée de protéger sa forêt, mais après, je déteste l'idée de tu poses des boosts partout. Et la composition d'armée des Elfes Sylvains, je l'aime pas. Il y a qu'à voir à quel point je suis mauvais quand je me tape contre ça. Et donc, le jouer, c'est horrible pour moi aussi, parce que c'est chiant. Tu balances tes flèches et en même temps tu cours. C'est vraiment pas mon truc. Après, quand je dis ça, faut le prendre dans le sens où... Je sais qu'il y a des compositions d'armées qui peuvent être essayées, voire en PVP multi, ce genre de choses. Mais vraiment, en PVE, campagne, non. Vraiment pas mon kiff. J'attends un rework à un moment qui va faire que, tout d'un coup, il y a un peu plus... C'est plus de trucs intéressants. Bon, j'ai encore un tour pour encaisser. On va pouvoir faire beaucoup de choses, donc c'est pas un problème. 58 minutes, ok. Pour ceux qui aiment jouer la Bretonie ou l'Empire, par exemple, pour pas qu'ils se sentent lésés. Non, je pense pas en vrai, Slap. Hein. Je pense qu'il y a... Enfin, ils cherchent pas à faire briller plus une faction qu'une autre, que ce soit dans le 1, le 2 ou le 3. Je pense qu'il y a juste un équilibrage à apporter. Et là, actuellement, bah, l'équilibrage est en la faveur du bien, mais je pense pas que ça soit voulu. Enfin, du bien entre guillemets, toujours. Hein. Mais c'est pas forcément pour... leur but n'est pas de faire en sorte que les gens qui jouent le bien se sentent bien. Oh... Trois armées, ils me disent toujours que ça passe pas. Hein. Stink of command. J'y vois pas une réelle intention de mettre en avant pour que dans le 3, ils te les fassent reculer. J'ai ça d'armée et il va encore me dire que je perds là. Écoute, ok, hein. Pas de soucis. Bordelot s'est défendu comment? C'est de la merde, donc on va foncer avec ces deux armées. Voilà. Oui, c'est ça. Les murs sont bien niveau 2. Maintenant, la ville. Je sais pas, peut-être je me paume, mais j'ai l'impression que le patch fait en sorte que tu puisses mettre qu'au niveau 3 sur les villes maintenant avec les scaven. Je sais pas. J'ai peut-être rêvé. Et on va voir si ça me rembourse. Quand j'ai investi des trucs à l'intérieur. Pas l'air plus que ça. Ici il y a quelque chose. Non. Pour une fois que je suis en alliance avec les Elfes Sylvains. C'est du bien de pas les taper eux. Hein.
Oh, par contre, il se fait assiéger. Alors, attendez. Non, je vais pas pouvoir répondre maintenant, mais je vais rappeler après. Ok. On a dit on toucherait pas au point tant qu'on n'a pas enlevé les armées. Hein. Parce que déjà c'est chiant de base. Alors si... Ah, je peux peut-être assiéger ça. Hein. On va faire venir ça là. Pas les points. C'est un réflexe que j'ai. Hein. Je veux absolument mettre des points. Non, mais vous voyez tous les personnages. Ah, les héros, je m'en fous. Littéralement, là... Allez. Non, t'as qu'à aller là-bas. Bon, du coup, il y arrivera pas en un coup, mais... C'est pas grave. Ok. Donc on va aller capturer le poste de la pierre noire. Marienburg. Et... Couronne. Qu'il fout là-bas, lui. Là, il a plus de force, l'Empire. Ça y est, il se débat comme il peut, mais ça ne passera pas. Tant pis, vas-y. Ça me fait une armée en moins. Quoi ? Ça, c'est plus chiant, ça. Bon, je m'en fous. J'ai la flemme. Voilà. Mais c'était Aldor, flanculé! Attendez. Ah merde, s'il était dedans, il aurait été protégé. Oh là là. Il m'envoie deux armées ici, ok. Jusqu'où tu vas dans cette campagne? Bah, je voudrais détruire l'Empire, mais je crois que l'Empire... on va s'arrêter, en fait, quand j'aurai pris ici. Je pense que ça va être un peu le mot de la fin d'ici un épisode. Parce que, bon, j'ai... là, c'est... C'est une blague, il a réussi à prendre Aldorf. Non mais... Quoi? Warlock of Skavenblight. Ok. Je m'y attendais pas. Hein. Master, Lord, on fait tout un peu en auto-résolution. Hop. Voilà, on a la flemme. Smell, taste battle. Regarde que ça ne blesse pas mes armées. Si j'avais pas fait mon erreur de déplacement en mode ah par là, par là, ah non par là, bah ce serait bien passé. Hein.
Voilà. En soi, ça calme un peu les choses. Ah, c'est vrai qu'ici, il avait capturé, lui. C'est vrai, c'est vrai. Bon, par contre, tu peux y aller. Si je mets ça là-dedans en plus, mon gars, tu peux y aller pour capturer. On va lui mettre quoi? On va lui mettre des petits soldats. Voilà, avec Snitch, on va les capturer là-bas. Bon, on va peut-être faire bouger les héros, histoire de vider un peu la map des 10 000 héros de l'Empire. Ok. Alors, du coup, petit salaud, il m'a pris la ville, quoi. Il m'a pris la ville. Alors, qu'est-ce qui se passe si je l'assiège? Écoutez, on va devoir la faire, celle-ci. J'ai pas le choix. Est-ce qu'il m'a repris Aldor, ce con? Alors que... Non. Non, non, non. En plus, je crois que je venais de la mettre niveau 5. Mais quel salaud! Fais chier. Voilà, en deux secondes, on va lui défoncer ses tours. Il vient de tuer ses troupes un peu, mais bon. Pas sûr que ce soit le bon plan de faire foncer là-dedans des ogres, mais... On va regarder ce que ça donne, quoi. Allez les gars, vous pouvez rentrer. Ah, lui, je vois si tu peux le tuer, lui ça m'intéresse. Hein. Yes, yes, yes.
Allez, coupe-lui la tête, porte bien ton nom. Ça doit quand même pas mal déboucher les sinus hein, quand tu te prends un coup de courant comme ça. Ok. C'est bon ici, ils ont abandonné? Presque. Il y a toujours un peu de temps au départ. Non. Vous, je vous ai dit de monter. À un moment, faut vraiment monter. Parce que là, je sais que vos petites pointes empoisonnées vont faire mal. Voilà. S'il pouvait aller encore plus vite pour vous mettre en place, ça serait bien. Enfin, un poil plus vite, hein. Vraiment un chouïa plus vite. Je sais pas, j'arrive pas à les placer, j'arrive pas à... J'ai pas l'impression qu'ils m'écoutent plus que ça, quoi. Bon, j'aurais bien envie de leur dire au micro, bougez votre cul! Où est-ce qu'il le tue, lui? On reconnaît bien Balthazar là. Hein. À lancer des trucs toutes les secondes là. Ok, parfait ça. Oh, il va peut-être se faire niquer finalement, donc je voulais pas tirer sur lui là. Hein.
Normalement, t'as plus de vitesse que lui. Voilà, faites le fond là. Ça, c'est mes unités, ça. Merci. C'est long. Oh le bâtard. Ils sont en train de se stack dans un coin, ces couillons. Voilà. Et donne ça. Voilà. Enfin, ça y est. Ah ouais, il a tout balancé là pour me choper. Non, 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 calmez-vous, vous. C'est un peu le lancer facile. Ça. On va y arriver. Oui. Ok. Donc là, ce qu'il faut, c'est lui tirer dessus, mais voir qui vise, qui ne vise pas. Voilà. On recule, on lui tire dessus. Là, je t'ai demandé de lui tirer dessus, il serait temps que tu lui tires dessus aussi. You can do it. Please. Et cassez-vous. Je suis patient, mais là... Voilà, comme ça, on déboîte Balthazar, là. Par un trio de tirs. Enfin. Oh, la bataille horrible, quoi. Oh, est tellement longue. T'as fait que 122 morts, toi. 129, il a fait plus de morts que toi, l'Héliobolis, quoi. 123, l'enfoiré. Bon, c'est pas grave, on va s'en remettre. C'est pas l'armée la plus optique pour siéger, ça c'est sûr. Préférera toujours les catapultes au canon. C'était une armée, je pense, qui a été basée sur la Bretonie, normalement. Ah. Allez, voilà. Je suis dans le rouge, mais c'est pas grave. Donc, on récupère Aldor.
Bah les deux autres, normalement, ils sont réservés à... C'est ça, hein. Normalement, toi, c'est un mur. Et ça, par exemple. Et toi, c'est du coup ça. Voilà. Juste casser la gueule à tous ces héros qui traînent. On va avoir l'armée là. Ici, c'est bon, on a pris le poste de la pierre. Mais là, on n'arrive pas à le prendre. Maintenant, il a... Dans 11 tours, en soi, il prend de l'usure ou... Attendez. Non, dans 5 tours, il prend de l'usure. Je m'en fous, je suis capable d'attendre maintenant. Je perds que 8900. Du coup, pour YouTube, on va s'arrêter là. Donc, sa couronne va tomber hein, sur le temps. Alors, visiblement, il y a une dernière résistance qui se fait ici, là, plus ou moins. C'est pas très grave. Château de Bastogne, en soi, ça y est, il est déjà défendu. Donc, en gros, cette armée... En fait, c'est ces trois armées-là qui vont aller là-bas. Des armées ici, on va les déplacer pour aller là. Et je pense que, ouais, prochain épisode, on va se dire que c'est la fin. Une fois que j'ai couronne, j'ai Aldorf, Marienburg... mon économie se portera bien. Très bien. Voilà. J'ai un peu la banane financière du vieux monde. Hein. Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao.